C'est ça qui passait en 2004, par exemple, qui fait que toute promesse qui était faite, il n'a pas atterri parce que ton groupe est mercenaire, qui a un groupe 54 là-dedans, qui a un ensemble des partis politiques là-dedans, les gros et partis opposition, qui a un groupe étudiant, feu et puis Grafné qui était là-dedans, toi qui as ça, ils ont viré d'eau, ils ont tout bagage qui était planifié dans la rencontre qui a fait en République dominicaine. On voit que Aristide Dinale, ou après que le 1er mars, dans la rencontre que nous avons fait dans l'hôtel El Rancho, pour nous établir le pouvoir, pour nous dire, OK, mais ça ne dépend pas, c'est qui j'aime Balvel, pour que nous levions qui des réunions. Des réunions, tu as Béki là-dedans, tu as Kaplan là-dedans, tu as Andy Apet là-dedans, tu as un représentant étudiant, il y a le colonel Rébuté là. Ou après, nous avons levé, allez. Et il y a l'ambassade américaine, toi qui es là-dedans, il y a le signé, un accord tripartite. Côté, il y a le Gérald Latortue, nous ne pouvons pas côté le sorti comme premier ministre. Et puis, ils prennent pouvoir, ils prennent exonération pour 3 ans, et ils font Haïti, ils remettent blanc, ils remettent le système dans le pouvoir. Le système a une capacité pour récupérer la bataille peuple là qui est autonome. Il faut reconnaître ça. Ou après, Ariel Henry, nous commençons le mouvement, tout côté, le peuple a campé, le diaspora a campé. Mais le blanc, avec le système, il n'y a pas de problème à aucun côté encore avec Ariel Henry. Il y a même encore, il y a quelqu'un Ariel Henry de l'OBI. Il y a plein de fois que c'est tiré, c'est un bon effort, en attendant. Si Blanc te voulait Ariel Henry, si le système n'était qu'on Ariel Henry, il était capable de continuer. Et au patron, il y a un danger. Il a fait le rivier Saint-Domingue, il a pris un hélicoptère militaire, il a fait le lac à Ali, dans le bureau, et puis il a fait la sécurité. Le système lui-même, lui, ouais, c'est un jeu pour le récupérer, pour voir encore, pour le craser mouvement peuple-là, il a fait le. Et au jeune des Haïtiens, qui a fait voler, pour nous dire, moi, Jean Oye, qui a fait apatride, qui pour vendre le pays, encore une fois, et qui vient bailler CARICOM avec les États-Unis chance, puis vient imposer nous. Conseil 9 Mamsa, premier ministre Koni, ou équipe Moun, qui va comprendre rien dans la réalité pays, et je dis à mes pays que nous sommes là, nous sommes notre. Donc c'est comme ça, le système est toujours organisé pour le pouvoir. Et moi-même, je suis victime plusieurs fois. Moi-même, personnellement, victime. Moi, victime en 2004, je prends exil, je prends prison, je passe misère, je fais tout bagaille. Moi, là encore, nous victimes. Nous avons 7 nègres qui viennent chercher avec et pour bombe sécurité, ils assassinent tout. Et je dis à l'autre là-dedans, qui est en prison. Donc, moi-même, je suis une grosse victime, mais je dis que ce n'est pas parce que je suis victime. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour ne pas continuer jusqu'à ce que je joigne Haïti que je réveille. Donc, je continue, c'est force, ça. C'est détermination seulement qui est bonne. Et ça, je cherche contre le système. Ça. Et cette fois-ci, nous prêts. Je dis à tout le système réuni ensemble. Corrompu, réuni ensemble, non CPT. C'est ça qu'il faut que malgré tout le problème que la corruption est là. Il n'y a pas qu'à révoquer les gens, parce qu'ils ont tout mêlé là-dedans, ils ont tout dans la corruption. Sous révoquer ça, la dénonce. Et international lui-même, qui c'est papa jouet là, qui est marionnette, qui a tiré ficelle, lui-même, les pire, mais laisse les nègres ça qui dans le pouvoir. Parce que les nègres ça qui ont fait, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais ma petite population, c'est pas parce que 2-3 fois nous avons frappé une fois pour ne pas continuer. Si après Macandal qui nous frappe, si après Boukman qui nous mourit, si après déportation Toussaint, des salines de croisé pour aller, nous ne pas aller à côté. Nous ne pas côté, nous n'avons pas indépendance. Donc, bataille là, parfois, elle prend un petit temps. Bataille là, elle prend plusieurs étapes. Et je dis à m'espérer que c'est la dernière fois qu'on appelle. Et ça fait inviter la population pour nous continuer, pour nous mobiliser et pour nous demander changement, pour nous réclamer changement, pour nous manifester pacifiquement. Et en même temps, moi dis qu'il faut que nous avons une cellule de sécurité tout partout. Il faut que les citoyens honnêtes, les policiers honnêtes, les militaires honnêtes, les BSAP honnêtes, les gens honnêtes, organisés en système de sécurité pour permettre que l'un prenne la rue, hein, si nous ne faisons pas des ordres, si nous ne faisons pas craser, nous ne pas briser, pour la police ne pas venir attaquer nous, comme si c'est de vulgaires assassins. Pendant qu'ils attaquent nous, par exemple, ma photo, le système a fonctionné, il n'y a pas attaqué les gens qui veulent faire manière pacifique, mais pendant ce temps, ou après que. Tabac, mes problèmes. La population a demandé aide, il va joindre. Solino, le peuple a demandé aide, il va joindre. Car vous faites n'importe où partout dans le pays, le capital là dans le monde avec ZAM, et il a paniqué, et la police n'a pas aucun côté. La Tibonite, plus que 60 mouns, par la police. Mais content de pacifique, le peuple a voulu manifester, c'est laisser avoir qui capacité de police. C'est là encore pour nous que si les policiers ont été si la police comme institution a été il y a sécurité, il y a une sécurité. Nous n'avons pas besoin d'être Kenya, ou venir faire une mascarade qui a fait là. C'est volonté politique qui va gagner. Ce système-là toujours organisé pour qu'il y ait un chaos, une instabilité, une misère, ça, pour qu'il y ait continuer à piller toutes ces richesses qui sont en bas sous sol et mener Haïti et côté à venir. Donc, on ne va pas décourager, même l'un de nos frappes, on continue et on arrive. Sénateur Guy Philippe, nous sommes avec un peu l'attention, surtout au fond, rappel sous bataille que
nous t'ai mené et dans l'année 2003-2004 pour nous être capable vraiment chavirer ancien président Aristide. Sénateur Guy Philippe, jusqu'à présent, gagné un pile moun dans population après bataille ça en 2004 qui toujours quitté avec contact que Guy Philippe vient lancer bataille là réussi et puis n'a cherché le non pas côté le passé. Et là, on s'est expliqué clairement que le nèg qui était ensemble avec nous, dans la réunion, nèg levé, il a quitté la réunion, il a allé, est-ce que je dis, ou pas peur encore, pour pas trouver dans la même situation, ça, quand on met nos batailles. Et puis après ça, même si système a parlé à là, je vous dis, le système a toujours fait en sorte que le capable de contrôler la bataille du peuple, et puis pour le prendre le poli. Ou pas peur pour ça, pas reproduire encore l'autre fois? C'est ça que après, je dis, nous même nous dit, peuple, nous, c'est seul allié. Nous n'avons pas un allié. Guy Philippe n'a pas un allié. Seul peuple haïtien a gagné. Ça veut dire au monde nous doit fondre ensemble mais le jour qu'on fond coupe contre peuple local pour contre n'a assuré que aucun monde pas capable bénir peuple là dans tout ça. Donc c'est ça que fait moi-même je dis à me confident, j'ai en pile confiance que oui cette fois-ci délinquant ça au machin pays ça traite de l'intérieur ça yo pas capable continuer craser Haïti. Révolution a privé, changement a privé. Nous juste demander mon pour quoi? Quoi et après changement. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes radio, Télé-Guinée, rappelez nous bien avec nous dans l'émission Décanté jeudi, coordonnateur national, force révolutionnaire d'entente nationale, ancien sénateur élu département Galastan, Guy Philippe, malheureusement, qui n'a pas été fait madali. Et moi, je vais poser une question, sénateur. Jeudi, le pays a baigné dans l'insécurité généralisée. Il y a deux côtés de mon ami, mais. Si nous gagnons, Guy Philippe, par exemple, on est par rapport à la compétence li, qui était passé dans l'armée, qui était dans la police, li kon qui sa bataille là pour mettre sécurité, mais lui-même, il n'a pas collaboré avec l'équipe qui l'a pour mettre sécurité. Est-ce qu'on est capable de répondre à ça? Premièrement, Mabdou, l'équipe qui l'a, il n'y a pas de demander pour collaborer, parce que le patron n'a pas besoin d'accord. Blanc n'a pas d'accord. Blanc par Abidjan, vous êtes d'accord, on est d'accord pour responsable question sécurité dans le pays d'Haïti. Haïti Blanc, lui-même, il veut pour la faire toutes les autres zones, pour la fouiller, la voler, les bagages dans le sous-sol, pour le contrôle tout ce qui est sécurité du pays. L'élevé la gagne dans l'instabilité pour la gagne, l'élevé la gagne dans le chaos pour la gagne. Donc, Blanc, équipe ça, au système, il n'y a pas besoin de monde, tant qu'on pour aider, je toujours dit, ça me dit, le monde qui comme dit, nous cap une consultation. Parce que le problème, nous ne pouvons pas garder seulement le problème délinquant à part. Il faut garder le délinquant à cravate. C'est délinquant à cravate. C'est conséquent ça, délinquant à cravate, a fait, qui fait que délinquant à sa patte, je dis à la, a fait ça, a fait. Donc, nous-mêmes, comme société, nous avons une responsabilité, nous, dans sa privé à la. Et sécurité, on va parler à la, nous ne pouvons pas prendre son seul aspect, soit dans la rue. Il faut avoir une sécurité sociale là. Il faut avoir que pendant plus que 30 ans, tout l'argent qui est rentré, tout le gros début sont faits pour Haïti, tout le prix nous prend, c'est 10-15 nègres qui volent tout le peuple là. L'hôpital va faire, l'école va faire, l'université va faire, nous pas aider mon. Et semblait nous un petit problème technique par rapport à la question de communication. Et tout le monde en forme, équipe technique en avance. Et nous avons un petit souci technique. On va couler l'école, on va couler l'internet. Le parlement va faire. Sénateur en avance. Allô? Sénateur, alors, parce que nous t'as faute scolaire. Le aussi. Problème dans la vie aujourd'hui, il faut regarder l'aspect social, problème social. L'État qui, l'on pays que premier gang, premier bandit, c'est l'État, son problème. Parce que là, l'État va faire l'école pour tout le monde. C'est gang, c'est bandit, l'État, ça. Malgré que la loi dit instruction primaire obligatoire. Et l'État va faire aucun moyen pour tout le monde qui est à l'école, qui à l'école. Et là, deux, trois à l'école, il n'y a pas même bien livre, il n'y a pas manger. Misère totale, tout partout. Parents, même jambes, papa, même jambes, maman, même jambes. Donc, l'autre fait pour nous vivre vulnérable comme ça. Là, nous n'avons pas aucun espoir. Et même là, à l'école, là, il y a une classe, c'est une moto obligée à conduire ou bien retourner sur votre parent. Donc, l'autre pour une société, l'autre pour une équipe jeune, ou craser tout espoir, pour qu'on soit dans la misère, même là, on fait effort. Ou bien faire vulnérable tellement que l'on bandit à cravat d'un examen, libère examen, il prend ça maintenant. Il dit bon, qui ça a pour le perdu? C'est ça qui est là, dans la zone défavorisée. L'État pas de jambes là pour nous, l'État nous te fermé pour nous, et je dis, ils ont révolté, et c'est même l'État encore, même l'ambassadeur qui a amené. Moi, je ne suis pas là. Tout le monde connaît pas là. Donc, ce n'est pas moi qui ai bandit des âmes.
Le m'a parlé comme ça, c'est pas que m'pou bandi et à sa patte. Mais nous pas cap juger à sa patte, si nous pas condamné à cravate, yo. Parce que nous avons retourné dans même et dans même problème, non. Nous avons commandé la police, nous avons l'armée rouge qui a pas problème, nous va résoudre problème, non. Oui, comme policier, nous résoudre problème, non. Mais est-ce que je dis à problème, non, pas pire. C'est parce que problème, non, accompagnement social pour l'État, pour l'État, pour l'État. Nous pas faire. Nous baignons en corruption trop. Nous volons toutes coopératives. Nous vendons tout ça l'État de gagner. Téléco, minoterie, cimenterie d'Haïti, Enaol. Tout bagage nous gagne pour des produits. Nous fermons d'une crase net qu'on y a. Tout bagage c'est importé. Nous volons comme Petro-Caribéa, impunément. Nous volons comme reconstruction et pays après le tremblement de terre, impunément. Des milliards de dollars. Et puis nous pensons que ce n'est pas ça que tu as gagné. C'est ça l'État. Insécurité, il faut que nous crasions, il faut que nous neutralisions. Délinquant à sa patio, ça va gagner un menti là-dedans, il faut que nous neutralisions en façon, mais délinquant à la patio, il faut que nous assurions nous pas jamais nuit l'État encore. Parce que c'est eux qui ont placé l'État, c'est eux qui ont utilisé ces messieurs et ces mesdames vulnérables. Même parce que nous avons un plan pour nous sortir dans l'insécurité. Si vous voulez attendre, nous avons un plan. Et puis il y a qu'à joindre outre. Nous avons une sécurité, stabilité, dans moins que 90 jours, si c'est monde qui est capable, qui est capable de prendre décision. Sénateur Guy Philippe, je vais poser une question. C'est sûr que vous avez une réponse à la question aujourd'hui à son antenne radio de Guinée et tout le monde a été payé et le monde de la diaspora a été payé. Il comprend plus bien l'approche que vous voulez faire. Donc, ce que j'ai dit, sénateur Guy Philippe parlait de une question amnistie pour monsieur qui avait exam, pour groupe et armé. Qui sont vous dit par là? Essayez. Et développer plus ce que vous dit et pour que nous soyons capables de comprendre l'autre, tu as parlé de question amnistie, qui ça le dit? Pas amnistie, je dis des gangs à sa patte ou gang à sa patte. L'un des amnistie, je ne pas spécifier pour me dire seulement pour gang à sa patte. Moi, je dis pas bon amnistie qui baille. Pendant que tout le monde a focalisé, focus sur son question, oui, Guy Dilwell, monsieur, et vivre ensemble, et amnistie, c'est même les gueux, c'est pas. Non, je ne pas dire que je baille monsieur vivre ensemble seulement amnistie. Moi, je dis qu'il faut offrir un certain amnistie parce que nous-mêmes, comme nous, haïtiens, nous coupables et nous responsables dans ça qui fait là. Bon, m'expliquez. Le village de Dieu fait ça, le fait avec Nèg Swatio. Il y a un pile monde qui est déjà paré pour que phase que bataille après le prend, pour que le prend. Mais pas oublier, gros bagaille pour que nous songez. Moins que 24 heures de temps après, commandant Guy Philippe fait déclaration, eh bien, nous voyons que le Conseil de sécurité des Nations Unies prend une décision pour que vous mettez un embargo mondial sur Haïti. Ça veut dire que le monde entier pas doit vendre Haïti matériel pour l'armée de la police. Est-ce que Haïti pas de gain bagou sur lui déjà? C'est samedi m'ta ramen jeune avec Stanley Lucas pour nous faire un petit parler. Mais sauf que ça n'est pas important pour le moment pour me parler de lui. Mais ça qui est important, c'est que Madame Dominique Dupuy, qui est ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Madame Nan Souke, la République dominicaine. Madame Dominique Souquet, la République dominicaine. Et je dis encore une fois, Mabdil, la Dominicaine a des problèmes à deux mouns en Haïti qui ne m'a pas la voilà. Et vous voyez là, monsieur. Où est le moun a fait effort pour le peuple? Il n'est pas difficile pour découvrir où. La Dominicaine a des problèmes. Alors, il y a des problèmes avec deux mouns en Haïti qui ne m'a pas la voilà. Il y a des problèmes avec Guy Philippe en premier, parce que Guy Philippe représente une véritable menace pour eux selon ce que vous dites. Yo, Madame Dominique Dupuy, a sale image de la Dominicanie selon ça qu'il dit. Sale image de la Dominicanie, comment? C'est à travers la vérité que Madame Dominique a porté dans les Nations Unies, dans l'OEA, devant, et m'a capable de dire, la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ça veut dire que Madame Dominique Dupuy a porté la vérité dans France 24, dans des médias américains. Ça veut dire que dans les gros médias internationaux, et nous-mêmes à travers les réseaux sociaux, qui parlent les paroles Haïti, nous faire image et nous porter parole Madame Dominique Dupuy pour tout haïtien d'elle. Ça veut dire qui ça? La Dominicanie vient qu'on frappe quelque part et nous dit tout haïtien que Dominicanie chaque côté ouais yo Dominique a pour d'ailleurs filmer le voyer vidéo rapide bah nous sur WhatsApp. Ça veut dire que pas qu'embé téléphone dans mon sans qu'on pas faire avec toujours filmer ouais gagne un bagage yo dit qui passait dans Aïna. Aïna c'est côté que Dominique yo le yo prend haïtien yo y a le mettre dans dépôt démontrer nos dépôts. Moi j'ai du mal pour que me parler de ça qui passé. Ça veut dire que me pas joindre vidéo mais qu'on y a
besoin parce que on dit un massacre qui fait en dedans espace ça. Li pour prison non, mais son gros ral yo mette. Bon ka dire le prison, li on garde avin pa konnen. Son gros ral yo mette, on côté qui ta supposé prendre environ 50 moun, mais nèg yo fait la prendre 2 à 3 4000 moun, on seul comme son seul coup. Moun a dormi sou moun pa ka dormi, moun pa ka chita, c'est camper moun camper. Eh ben, yo fait konnen Dominique yo font massacre en dedans. Qu'on a besoin pour que groupe haïtien qui te fait maintenant à Inayo, que y a besoin pour déporter jeudi, lundi, avec deux messieurs de veille, besoin pour me et bouche, monsieur ça, parole dans bouche, pour me connaître vérité, pour me connaître qui ça va galayer. Parce que j'ai besoin d'un témoignage. Besoin pour expliquer moi ce qui t'a passé dans Aïna. Ou même tout, si vous avez des émissions là, ou en Dominicane, ou avez des bonnes informations, ou bien ou avez des gens dedans, qui bon ça qui passe dedans, dis-moi. Relève notre téléphone, expliquez-nous-le, et puis on va mener une enquête pour nous connaître exactement ce qu'on dit, c'est vrai. Parce que faut nous faire, ou faut nous balancer les choses. Il faut nous dire, il faut la vérité. Vous comprenez? Il faut la vérité. Et c'est important pour qu'on connaisse ça. Entre temps, je dis que la Dominicanie, il y a deux camps qui ont bataille là. Il y a un camp qui a dit vérité à Jean-Lié, il y a un camp ultranationaliste dominicain qui parle de vérité après la rue. Mais qui voulait pour que tout Dominicain fasse semblant. Et bien, dans ce sens, il y a plusieurs Dominicains. Qui dit eux-mêmes, ils ne parlent pas pour venir mentir dans la presse, mais ils disent la vérité à Jean-Lié. Ils disent comme ça que chaque autorité politique dominicaine, quand ils ont promis au peuple dominicain, ils ne peuvent pas faire, ou ils ne peuvent pas faire, quand ils ont soulevé pour faire le peuple dominicain oublier ça, c'est des affaires de déportation, immigrants haïtiens. Faites monter dans la presse, parler de lui dans toute radio, prendre décision contre eux, maltraiter eux, après ça, ils ont même encore. Ils pral ouvrir frontière pour faire monter à 200 $, 300 $ américains illégal. Aïe, Dominique, ça donne vérité. Monsieur dit comme ça que autorité qui a le pouvoir dominicain utilise les immigrants haïtiens comme un business. Ils ont déporté massivement. Après ça, sous frontière, les militaires ont pris riche. Parce qu'ils ont fait business pour même encore monter avec eux illégal. Après ça, ils ont même encore ils ont déporté parce qu'ils sont illégal encore. Ça prouve que en Dominicanie, ce n'est pas tout Dominicain qui a caché la vérité. Et pas oublier, toujours dit nous. Qu'on vérité absolue. Qui nous a fait immigrants. Et ça que m'a dit. Il y a un peu d'haïtiens qui sont dans l'armée dominicaine.